À ce. Marie, je te laisse la parole. Merci Myriam. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons refaire le point sur les élections du comité social et économique suite à aux ordonnances du 22 septembre 2017 et au décret du 31 décembre 2017. Toutefois, je voulais vous signaler que je vais également faire un rappel de comment on organise des élections et là-dedans, il y aura des détails sur ce qui a changé avec les ordonnances. Alors, le sommaire de ce webinaire, on va donc parler de donc la fusion des IRP et les délais de mise en place du CSE, l'engagement du processus électoral, l'invitation aux organisations syndicales, le contenu du protocole préélectoral et surtout les nouvelles mesures qui sont négociables à l'intérieur de ce protocole. On va parler des effectifs, des collèges électoraux, de l'électorat et de l'éligibilité, de la durée des mandats et des heures de délégation, puisque là, il y a eu des changements. De la liste des candidats avec les lois qui sont parues sur la parité et la représentation équilibrée homme-femme. Alors, déjà, en ce qui concerne la fusion des IRP et les délais de mise en place du CSE, donc, vous le savez tous, le gouvernement a décidé de fusionner les comités d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT qui sont remplacés par le comité social et économique, le CSE, et la loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Vous devez donc, toutes les entreprises doivent donc organiser des nouvelles élections et la mise en place doit se faire au plus tard le 1er janvier 2020, 31 décembre 2019, c'est selon. Alors, il faut lentement y penser. Et en tant qu'employeur, vous pouvez, après avoir demandé l'avis du comité d'entreprise, proroger les mandats qui sont en cours d'un maximum de 4 ans. Pardon, d'un maximum d'un an. D'un maximum d'un an. Toutefois, est sorti très récemment. C'était le 21 mars 2018, donc c'est tout à fait récent, j'ai découvert ça hier, pour tout vous dire. Il y a maintenant une possibilité pour les entreprises dont les mandats des représentants du personnel expirent en 2019, on peut anticiper les élections. C'est-à-dire que si vous avez des mandats qui se terminent, on va dire, en septembre 2019, ben vous pouvez tout à fait organiser vos élections un peu avant, vous n'avez pas l'obligation d'attendre la fin du mandat. Voilà, donc ça c'est tout nouveau, je ne l'ai pas mis sur la présentation parce que c'est vraiment tout nouveau. Mais je pourrais le rajouter éventuellement quand on verra la présentation. Alors, qui doit procéder aux élections? Quand doit-on engager le processus? La mise en place obligatoire du CSE se fait dès le franchissement du seuil de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Ça concerne donc les petites et les TPE jusqu'au grand groupe. Ce qui est maintenant simplifié, c'est que le décompte des salariés se fait sur 12 mois consécutif, alors qu'avant c'était 12 mois, c'était lissé sur 3 ans, enfin, c'était un petit peu plus compliqué. Maintenant c'est 12 mois consécutif. Voilà qui répond à la question de Sandra. Alors, à partir de quel effectif? 11 salariés. 11 salariés, moi je dirais 11 équivalents temps plein. Il faut toujours compter en équivalents temps plein, ça, je vous le dirai tout à l'heure. L'information du personnel pour élections doit intervenir 90 jours avant la date envisagée du premier tour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
ça c'est aussi nouveau, que ce soit une mise en place ou un renouvellement de l'instance, vous devez tabler sur 90 jours. C'est pour ça que le temps passe très vite et que si vous devez réorganiser des élections, pensez-y rapidement parce que 90 jours c'est quand même assez long. Il faut pas, on oublie les 45 jours quand on faisait le renouvellement de l'instance. Donc c'est 90 jours pour tout le monde. Alors, une nouveauté dans les entreprises de 20 salariés, une nouveauté qui d'ailleurs prête à débat dans certains syndicats, dans les entreprises de moins de 20 salariés, si aucun salarié ne s'est porté candidat dans les 30 jours après l'annonce de l'élection, on n'invite pas les organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral, l'élection n'a pas lieu et le PV de carence doit être rempli. Vous avez le numéro de CERFA. Ce qui veut dire que lorsque vous avez une entreprise, lorsque vous êtes dans une entreprise de moins de 20 salariés, lorsque vous annoncez, vous donnez l'information au personnel qui va y avoir des élections 90 jours avant la date envisagée du premier tour, n'oubliez pas de faire un appel à candidature en même temps. Parce que si dans votre entreprise, les gens n'y connaissent rien, de toute façon, ils ne sont pas candidats, mais s'ils ne savent pas, s'ils ne connaissent pas, s'ils y connaissent un peu quelque chose, ne connaissent pas la nouvelle règle, ils vont attendre le dernier moment pour se déclarer candidat et ce sera trop tard. Donc, j'annonce mes élections avec une date envisagée et je demande en même temps que les éventuels candidats se déclarent dans les 30 jours. Alors je répète, s'il n'y a personne, en fait, c'est tout de suite un PV de carence. On n'invite personne, il n'y a pas d'élection. Alors c'est vrai que cette nouvelle disposition qui fait quand même l'objet d'un article du Code du travail fait débat. Et il y a des questions qui se posent en disant oui, mais dans le Code du travail, il est écrit que les salariés ont droit à une représentation et il faut que le processus électoral soit engagé et soit respecté, même dans les entreprises, dans les petites entreprises. Là, ça serait un peu en contradiction. Ça veut dire que c'est un petit peu dommageable pour les entreprises de 20 salariés qui n'auront pas forcément de représentants du personnel et ça c'est un petit peu dommage. Je regarde juste s'il y a des questions. Là par contre ça ne change pas. Pas beaucoup. En cas de demande d'engagement du processus électoral par un salarié ou un syndicat, l'employeur reste tenu d'engager le processus électoral dans un délai d'un mois, compté de la date de la demande, donc ça ne change pas. Et en présence d'un PV de carence, la demande d'organisation des élections ne peut plus intervenir qu'après le délai écoulé de 6 mois, compté de la date de l'établissement du procès verbal. Ça, c'est pas d'une très très grande importance, je vous l'ai rappelé, mais c'est pas très très important. Alors, par contre, pour inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral, je vous rappelle, ça non plus a changé, c'est un délai de 2 mois avant l'expiration des mandats en cas de renouvellement d'instance, et 15 jours au plus tard, entre l'invitation à négocier le protocole et la date de la première réunion de négociation. Donc ça, ce sont des choses que vous devez déjà connaître lorsque vous avez déjà mis en place les élections. Il faut savoir que le non-respect de ces délais peut entraîner l'annulation des élections, le défaut de convocation d'une organisation syndicale aussi peut entraîner l'annulation des élections. Par contre, seul le syndicat qui n'a pas été invité peut demander l'annulation, puisque c'est lui, en fait, le préjudice, il est porté sur le syndicat qui n'a pas été convoqué. Quelle organisation syndicale doit-on inviter? Là aussi, c'est un rappel. On informe par tout moyen de l'organisation des élections qui sont
invités à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes des comptes de leurs candidats. Donc, on a les organisations qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, etc., etc. Donc, les grandes organisations syndicales nationales. Ensuite, vous avez les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'établissement, dans l'entreprise ou l'établissement, et aussi celles qui ont constitué une section syndicale. Dans ce cas-là, il n'y a pas forcément de délégué syndical dans l'entreprise. Par contre, la personne qui a constitué une section syndicale peut être mandatée par son syndicat pour négocier le protocole. Et enfin, les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national. Donc, si vous prenez toutes ces conditions-là, vous vous rendez compte que finalement, vous invitez tout le monde. Il y a 7 grandes organisations syndicales, plus certains syndicats affiliés. Personnellement, je préconise d'inviter toutes les grandes organisations syndicales. Vous avez la CGT, la CFDT, la CFTC, Force ouvrière, la CFE-CGC, l'UNSA, Sud, et c'est tout. Voilà. Donc moi, j'invite tout le monde, comme ça, on n'est pas embêté, plus les syndicats qui sont affiliés. Bien évidemment, tous ces gens-là, on les invite par courrier recommandé avec accusé de réception. Parce que quand on vous dit qu'il faut informer les syndicats par tout moyen, oui, certes, par tout moyen, mais il vaut mieux quand même toujours envoyer un courrier recommandé à R, pour le moment en tous les cas. Qu'il n'y ait pas de contestation. Alors, dans le cadre du contenu du protocole préélectoral et des mesures négociables dans ce protocole, également dans le cadre des bonnes pratiques, moi je dirais que le protocole préélectoral doit être le plus exhaustif possible. Alors, il y a des mesures obligatoires, il y a des mesures facultatives. Personnellement, je mets tout dans le protocole préélectoral. Ça peut éviter un contentieux, ça évite des discussions, ça évite des non-dits, et des problèmes à la fin, et on risque de se retrouver au tribunal, donc c'est pas la peine. Donc, je rappelle les clauses obligatoires, c'est le nombre de représentants du personnel en fonction de l'effectif, la répartition du personnel dans les collèges électoraux, la répartition des sièges entre les différentes catégories de salariés, et le nombre d'établissements distincts avec la répartition des sièges entre ces établissements. Ça, c'est obligatoire. Ce qui est facultatif, ce sont les modalités d'organisation et de déroulement du scrutin, la modification du nombre et de la composition des collèges électoraux, toute clause plus favorable aux salariés que les dispositions légales, le mode de partage des voix quand les syndicats produisent les communes et le mode de dépouillement. Alors, effectivement, ces clauses-là sont facultatives. Toutefois, notamment lorsque on parle du mode de partage des voix quand les syndicats font liste commune, je dirais que là, c'est une clause qu'il faut mettre dans le protocole préélectoral. Par contre, c'est les syndicats qui ont décidé de faire liste commune, c'est à eux de décider. Comment ils se répartissent les voix et les postes. En tant qu'employeur, à la limite, vous pouvez discuter, mais ce n'est pas. C'est surtout aux organisations syndicales de se mettre d'accord. Alors, le mode de dépouillement, là, je voudrais rebondir sur ce sujet. Personnellement, je ne saurais que trop vous inviter à procéder au vote électronique. En effet, dans le mode de dépouillement et les modalités d'organisation, il y a vraiment du scrutin. Par expérience et pour avoir vécu les deux, je peux vous dire que le vote électronique, d'abord, se répand, beaucoup plus répandu ces derniers mois.
que c'est extrêmement facile, que on peut tout à fait convaincre les organisations syndicales qui seraient un petit peu réticentes. Ça se passe en général très bien, c'est très rapide. Le processus préélectoral, le protocole préélectoral, tout ça, c'est de toute façon la même chose. On continue de négocier au niveau du protocole préélectoral. Et par contre, le vote, le scrutin par vote électronique, c'est un bonheur par rapport au temps qu'on passe à dépouiller des bouts de papier. Ça, je suis complètement catégorique là-dessus. J'ai organisé il y a quelques mois des élections dans une entreprise qui avait presque 500 salariés. Les organisations syndicales ont fini par accepter le vote électronique. Quand ils ont vu qu'en appuyant sur un bouton, en 1 heure de temps, tous les résultats et tous les PV étaient remplis, parce que les PV sont remplis. Vous imprimez les PV remplis. On n'avait plus qu'à les signer et à les envoyer. Tout le monde était ravi et maintenant il ne jure plus que par ça. Donc, Ça minimise aussi le risque d'erreur, hein? Excuse-moi, Marise. bien sûr, ça minimise le risque d'erreur, ça minimise. C'est extrêmement pratique avec les nouvelles technologies, c'est ce que j'allais dire. Les personnes qui votent électroniquement peuvent voter sur une tablette, sur un téléphone, sur un ordinateur, et le vote, le scrutin est organisé en général sur une huitaine de jours. Oui, on va dire sur une semaine, et en général, on se débrouille pour ouvrir, y compris un week-end. C'est-à-dire que les gens peuvent voter de chez eux. Et on va voir tout à l'heure qu'il y a des salariés, pardon, il y a des salariés qui sont décomptés dans l'effectif, qui font partie des personnes qui votent, qui sont détachés, qui sont à l'étranger et qui peuvent aussi voter de là où ils sont. Donc c'est extrêmement pratique. Évidemment, tout ça, c'est surveillé par la CNIL. Tout ça est extrêmement sécurisé, donc il n'y a pas de risque de fraude ou d'insécurité par rapport aux résultats du vote. Voilà, c'était ce que je voulais dire sur le vote électronique. Si vous avez des questions sur le sujet, vous pouvez voir aussi avec Myriam, vous pouvez faire une demande à Myriam. Le calcul des effectifs. Alors là, c'est aussi quelque chose de sportif, on va dire. Ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs où c'est extrêmement délicat. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. La mise en place de CSE dans toute entreprise doit être faite dans toute entreprise qui a atteint plus de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Donc, ce ne sont pas 11 salariés, ce n'est pas 11 personnes, ce sont 11 équivalents temps plein. Donc, vous devez bien faire le décompte de vos salariés en équivalent temps plein. La meilleure façon, c'est de décompter l'effectif chaque mois. En début de mois, pour le mois précédent, vous faites votre décompte. Comme ça, vous êtes sûr de savoir à quel moment vous devez déclencher les élections. Ça, ce sont pour les petites entreprises qui n'ont pas atteint 11 salariés. Donc, le type de contrat de travail induit le mode de calcul. Donc les salariés qui comptent pour une unité, ce sont les salariés en CDI à temps complet et les travailleurs à domicile à temps complet aussi. Une autre chose, quand vous comptez vos salariés, quand vous comptez les effectifs, il ne faut pas arrondir le calcul, il faut rester, je dirais, deux chiffres après la virgule. Comment est-ce qu'on prend en compte les salariés? Ça aussi, c'est un rappel, parce que ce n'est pas la première fois que vous procédez à des élections. C'est toujours bon de faire un petit rappel. Pour décompter les effectifs, on prend en compte tout salarié titulaire d'un contrat de travail, qu'il soit en période d'essai, en préavis, en contrat suspendu, c'est-à-dire
congé, maternité, maladie, etc. Évidemment, on prend en compte les travailleurs à domicile. On prend en compte les cadres salariés qui représentent l'employeur, qui ne seront ni électeurs ni éligibles, mais on doit absolument prendre en compte dans l'effectif. Et enfin, et comme je le disais tout à l'heure, on prend également en compte les salariés qui travaillent à l'étranger, qui ont été recrutés en France, qui ont un contrat français, qui ont donc une subordination à l'entreprise française, et qui sont, c'est ce qu'on appelle en général les travailleurs, détachés. Les expatriés, les travailleurs détachés qui vont passer 2 ans, 3 ans à l'étranger, dans une filiale étrangère. Ceux-là ont quelquefois un contrat français qui, en fait, font qu'ils sont de toute façon électeurs. Alors, éligibles, à mon avis, ils ne vont pas se présenter comme candidats parce qu'ils sont loin et qu'ils ne pourront pas exercer leur mandat. Par contre, ils peuvent être électeurs. Et je dirais que le vote électronique, c'est bien, parce que quand vous devez envoyer, on peut aussi faire du vote par correspondance, sur papier, hein, il n'y a pas de souci. Mais moi, je veux bien que vous envoyiez votre vote par correspondance en Chine, au Pérou ou aux États-Unis. Je ne suis pas sûre que vous receviez la réponse en temps et en heure. Mais bon, on ne sait jamais, la poste fait des miracles, des fois. Donc, il faut également compter dans l'effectif des salariés au prorata de leur temps de présence en entreprise. Donc, on a des salariés en CDD qui peuvent être soit à temps plein, soit à temps partiel, les intérimaires. Sauf, alors, les CDD et les intérimaires, c'est sauf s'ils remplacent un salarié absent. Parce que dans ce cas-là, c'est le salarié absent qui est pris en compte dans l'effectif. On ne va pas compter deux fois les personnes sur un poste. Donc, ils sont pris en compte au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents. C'est comme ça qu'on arrive à des 0,2 par salarié. Alors, il y a également, et ça c'est de plus en plus, de salariés mis à disposition dans les entreprises. Ils sont pris en compte au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents également, à deux conditions. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient présents dans les locaux de l'entreprise. Il faut vraiment qu'ils aient un poste qui soit dans les locaux de l'entreprise très régulièrement et qu'ils travaillent dans ces locaux depuis au moins 1 an au moment du début. Donc ça, c'est très important. Et cela, dans ce cas-là, ils sont éligibles, ils sont électeurs, ils peuvent être électeurs, ils sont effectifs. De temps en temps, ils peuvent être électeurs aussi. Mais en tous les cas, ils comptent dans les effectifs à ces conditions. On décompte les salariés au prorata du temps de travail, comme je disais tout à l'heure. On a les salariés à temps partiel. Les contrats de professionnalisation, qui eux sont de temps en temps à l'école et c'est les alternants, qui sont un peu en cours et un peu en entreprise. En cas de CDD ou intérimaire, la double règle de calcul doit s'appliquer, c'est-à-dire le temps de travail et le temps de présence. Je ne rentre pas plus dans le détail pour le décompte des effectifs, parce que sinon, on va y passer beaucoup plus de temps. Et vous pouvez toujours poser des questions après. Vous m'envoyez un mail, je vous réponds. Tu as une question aussi de Gwendoline. Le calcul des 12 mois consécutifs se fait à date d'élection. Oui, il se fait à la date du. En fait, il se fait normalement à la date du premier tour. Il se fait à la date du premier tour, sauf que quand on arrête les effets, on est obligé à un moment donné d'arrêter les effets. Donc, imaginez que vous souhaitiez organiser vos élections au mois de juin. Vous allez être obligé d'arrêter vos effectifs, non pas le 31 mai, mais au moins le 30 mars ou le 30 avril. Le 31 mars ou le 30 avril. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il faudra compter les 12 mois consécutifs. Parce que si on compte l'effectif au niveau
à la date du premier tour, on a un problème de délai pour faire le protocole, pour négocier le protocole. Donc, il faut arrêter les effectifs un peu avant. C'est à ce moment-là qu'on compte les joueurs. En fait, il n'y a pas de quoi. Donc, je continue. Sont exclus de l'effectif les salariés qui remplacent, comme je vous disais tout à l'heure, un salarié absent ou dont le contrat est suspendu. Donc, les apprentis, les dirigeants non salariés et les mandataires sociaux, les stagiaires et les salariés recrutés à l'étranger. C'est-à-dire que si dans votre entreprise, vous avez, tout à l'heure on parlait des salariés sous contrat français qui travaillent à l'étranger, ceux-là sont comptés dans l'effectif. Si par contre vous avez un salarié étranger de votre groupe, par exemple, qui vient expatrié en France pour un an ou deux ans, mais qui est toujours sous contrat anglais, allemand, italien, tout ce que vous voulez, vous pouvez, il ne faut pas les compter dans l'effectif. Alors, dans les collèges électoraux, il y a une nouveauté. Les collèges qui sont prévus par la loi dans le cadre CSE reprennent les anciennes dispositions relatives aux comités d'entreprise. La nouveauté, c'est que le collège unique avait disparu dans l'ordonnance du 22 septembre 2017. Il a été réintroduit dans une ordonnance du 20 décembre 2017. Par contre, la mise en place de ce collège unique, maintenant, n'est plus possible dans des entreprises supérieures à 25 salariés. Il n'est possible que lors de l'élection d'un seul et unique membre du CSE titulaire et un seul suppléant, et quand on regarde le nombre de représentants du personnel en fonction de l'effectif, ben ça concerne les petites entreprises, ça concerne des effectifs qui vont de 11 à 24 salariés. Voilà. Même si vous avez 50 salariés et que vous souhaitez faire un collège unique, ben, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé de faire deux collèges minimum. Je rappelle également que lorsque vous avez plus de 25 cadres dans votre entreprise, vous devez obligatoirement constituer un troisième collège, le collège des cadres et des assignés. La répartition des sièges par collège électoral relève toujours du protocole d'accord préélectoral. Par contre, aujourd'hui, si vous n'avez pas d'organisation syndicale représentative dans votre entreprise qui peut négocier le protocole d'accord préélectoral, vous avez invité les syndicats, les organisations syndicales, que quelqu'un vient de l'extérieur pour négocier le protocole d'accord préélectoral, la loi prévoit désormais que la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux relève du pouvoir unilatéral de l'employeur. C'est-à-dire que, faute d'avoir des organisations syndicales à l'intérieur de l'entreprise, même si une organisation syndicale vient de l'extérieur pour négocier le protocole, vous devrez, l'employeur pourra décider tout seul de répartir le personnel et les sièges dans les collèges électoraux. Les organisations syndicales extérieures n'auront rien à dire. Alors, en ce qui concerne les modifications relatives à l'électorat et à l'éligibilité, il n'y a pas de changement dans les règles relatives à l'électorat. C'est toujours 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise et à l'éligibilité, là, il faut 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Alors, là, par contre, en termes d'ancienneté, c'est à la date du premier tour. Ça, oui. Ça, on peut calculer l'ancienneté à la date, les anciennetés à la date du premier tour. Et enfin, les salariés mis à disposition ne peuvent plus être élus dans l'entreprise utilisatrice. Ils pourront être électeurs, mais ils ne sont plus éligibles. Donc, il n'y a pas grand-chose de changer là-dessus. Une nouveauté, la durée des mandats.
dans la nouvelle, dans l'ordonnance du 22 septembre, a été introduite une limitation du nombre de mandats successifs. Donc, dans les entreprises de plus de 50 salariés, le nombre de mandats successifs est légalement limité à 3. Si vous prenez une durée des mandats de 4 ans, ça fait quand même 12 ans. C'est déjà pas mal. Mais bon, la loi dit maintenant, 3 ans, c'est le maximum que peut faire un élu. Par contre, c'est un sujet qui peut tout à fait être négocié dans le protocole d'accord préélectoral, car il peut prévoir de réduire ou d'augmenter le nombre maximal des mandats successifs, voire même de prévoir l'absence de limitation. Donc en fait, si vos organisations syndicales le souhaitent, vous en discutez avec eux. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, bah, vous pouvez rester tel que c'est, c'est-à-dire durée indéterminée, ou alors réduire le nombre de mandats à 2, à 1, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais ça se négocie. Sinon, ce sera limité à 3. Par contre, cette disposition n'est pas valable pour les entreprises de moins de 50 salariés. Alors là, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Il y a une question de Sophie. Alors, la limite s'applique à compter de la mise en place du CSE. Oui. Pouvons-nous prendre en compte les mandats avant CSE? Non. Voilà. C'est-à-dire qu'en Claire. fait, ça part à partir de la nouvelle élection du CSE, puisque ça va figurer dans le protocole préélectoral, dans ce protocole préélectoral. C'est-à-dire que tous les gens qui vont se représenter, je dirais, un peu effacer ce qu'il y avait après, et ce qu'il y avait avant, et là, on dira, oui, vous allez siéger pendant 3 ans, pendant 3 mandats, ou pendant 2 mandats, ou ad vitam aeternam, comme vous voulez, mais c'est à partir des nouvelles élections, bien sûr. Alors, une nouveauté aussi, qui, moi, m'a laissé un peu dubitative, mais bon. Les membres titulaires et les membres suppléants. Avec les nouvelles ordonnances, les suppléants ne siègent plus au comité social et économique. Il faut quand même savoir qu'avec ce regroupement de toutes les instances, on se retrouve quand même avec beaucoup de membres. Je suis en train de chercher le décompte. Vous avez quand même beaucoup de. Enfin, comment dire, vous avez un petit peu plus de membres dans les CSE et la volonté du législateur, c'est de dire que seuls les membres titulaires siègent aux réunions et pas les suppléants. Alors, je peux peut-être comprendre que dans les grands groupes, on a, je sais pas moi, oui, après 500 salariés, vous avez 13 titulaires et 13 suppléants, 26 personnes ou 30 personnes ou 40 personnes. J'ai bien imaginé que ça fait du monde. Mais c'est aussi un sujet de négociation. C'est-à-dire que si vous le souhaitez, si les organisations syndicales le souhaitent, si vous trouvez que c'est opportun, vous pouvez tout à fait négocier que les suppléants siègent aussi. Et moi, je serais d'avis que pour les petites structures, pour les entreprises qui vont se retrouver avec deux, un titulaire, un suppléant, ou deux titulaires, deux suppléants, même trois titulaires, trois suppléants, moi, je serais d'avis de négocier que les suppléants siègent. Parce que, enfin, connaissant assez bien les élus, qui sont très très souvent débordés entre leur travail et leur mandat, je ne suis pas sûre qu'ils prennent le temps à chaque fois, à chaque fin de réunion, d'informer leur suppléant et de refaire la réunion avec leur suppléant, de leur donner des grandes lignes. Certes, les suppléants peuvent lire les PV, mais les finesses, ils ne les auront pas. Et si un jour un titulaire vient à manquer, le suppléant va atterrir dans la réunion et il ne sera peut-être pas au top pour négocier les choses. Donc, bon, après, chacun décide de ce qu'il veut faire, mais moi je pense que pour des structures petites ou moyennes, ça serait bien quand même que les suppléants siègent,
Mais encore une fois, ça se négocie dans le protocole d'accord préalable. À vous de voir. Alors, vous pouvez également, dans ça aussi c'est une nouveauté, dans le protocole préélectoral, modifier le nombre de sièges ou le volume et ou le volume des heures individuelles de délégation à la baisse ou à la hausse. Il faut savoir que cette modification est limitée, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de membres global, il y a des heures de délégation globale qui ont été données par le législateur, donc vous ne pouvez pas faire moins que ce qui est légalement établi. Vous pouvez jouer sur un petit peu plus ici, un petit peu moins là, mais au global, il faut quand même que le nombre d'heures reste celui de la loi. Vous pouvez aussi les augmenter et augmenter les élus. Donc, comme je dis, vous pouvez augmenter le nombre d'élus au sein d'un collège en diminuant le volume des heures de délégation, ou le contraire, diminuer le nombre d'élus et augmenter le volume des heures de délégation. Ça, maintenant, c'est à négocier avec les syndicats si vous souhaitez négocier, si vous avez des demandes ou pas. Mais bon, je n'irai pas plus loin là-dedans parce que c'est un petit peu compliqué. Ah, c'est pas compliqué, mais ça demanderait de rentrer dans le détail avec des exemples concrets. Là, ce matin, on n'aura pas le temps. Mais moi, je reste à votre disposition si vous souhaitez faire des simulations avant de négocier votre protocole préélectoral. On peut toujours le faire ensemble. Alors, Monsieur Rebsamen et Monsieur Macron dans le respect de la parité chez les IR. Alors, tout ça, c'était parti d'une bonne intention, puisque la loi Rebsamen voulait, je dirais, a mis un petit peu un coup de poing sur la table en disant que le fait uniquement de dire que les organisations étaient invitées à examiner les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée, ça ne suffisait pas. Monsieur Rebsamen a lancé une loi dont l'objectif était d'instaurer une représentation équilibrée homme-femme au sein des instances du personnel au moment des élections professionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir autant d'hommes que de femmes sur une liste de candidats. Voilà. Après, je vais vous réexpliquer, du moins, on va reparler comment on fait pour essayer de suivre ce que la loi Rebsamen dit. Je dis bien essayer parce que je ne sais pas si Monsieur Rebsamen à l'époque avait demandé, avait fait un sondage auprès des entreprises pour voir s'il y avait la parité, s'il était possible d'avoir la parité, mais vous ne pouvez pas forcer les gens à s'inscrire sur des listes. Donc, si vous vous retrouviez à l'époque avec un comité d'entreprise uniquement masculin ou un comité d'entreprise uniquement féminin, moi j'ai l'exemple d'un comité d'entreprise où il y a sur 11 personnes, il y a un seul homme, vous ne pouvez pas prendre les gens par le col du costume et de les mettre sur une liste. Ce n'est pas possible. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, si l'application de la règle d'attribution conduit à n'attribuer aucun siège à l'un ou l'autre sexe, la loi prévoit que la liste peut comporter un candidat du sexe minoritaire exclu. Ce candidat ou candidate ne pourra pas figurer en première position sur la liste. Donc, ça, c'est ce qui a été dit dans la loi, dans l'ordonnance là. Alors, il faut quand même savoir que ces listes de candidats, ça doit être indiqué dans le protocole préélectoral. C'est-à-dire que vous devez calculer le pourcentage d'hommes et de femmes que vous avez par collège, et le nombre d'hommes et de femmes que vous allez indiquer au global sur votre liste électorale. Ça, c'est une chose. Ce qui va vous donner ensuite, dans le protocole préélectoral, une indication de pourcentage d'hommes ou de femmes qui devraient être élus normalement.
C'est un paragraphe du protocole préélectoral où on doit mentionner la proportion d'hommes et de femmes de chaque collège. Et voilà. C'est vrai que si ce pourcentage-là sur les listes électorales, sur les listes de candidats, pas respecté, eh bien, vous pouvez, toutes les élections peuvent être annulées. Sauf que, comme je vous disais avant, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et de toute façon, ça, c'est de la responsabilité des organisations syndicales, ce n'est pas vous qui allez faire les listes de candidats. Donc vous, vous devez être conscient de cela. Vous pouvez éventuellement inciter les délégués syndicaux en leur disant ah, « ça serait bien que vous recrutiez un petit peu de femmes, ou un petit peu plus de femmes, ou un petit peu plus d'hommes, suivant le cas. » Mais par contre, ce qui vous incombe, c'est de mettre absolument dans le protocole d'accord préélectoral, de mettre absolument dans le protocole d'accord préélectoral ce paragraphe qui indique dans le détail le pourcentage d'hommes et de femmes au global et par collège. Ça, voilà. C'est important pour vous. Pour le reste, c'est les organisations syndicales qui se débrouillent. Comment doit se composer la liste des candidats? Elle doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, c'est-à-dire qu'en cas de nombre impair de sièges à pourvoir ou de stricte égalité 50-50, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. En cas de non-respect de cette disposition, c'est en fait l'annulation de l'élection des élus, c'est l'annulation intervient uniquement sur l'élection des élus, donc le positionnement sur la liste ne respecte pas les prescriptions. Donc voilà, ça c'est de la théorie. Si vous avez la chance d'avoir une représentation équilibrée, eh bien il faut mettre un homme, une femme, un homme, une femme, et une femme, un homme, et pas un homme sur la liste. Et encore une fois, ça c'est la responsabilité des syndicats. Voilà. Moi, j'ai terminé pour ma présentation. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Voilà. Alors, allez-y. N'hésitez pas, posez vos questions par écrit si c'est court et simple. Sinon, on peut vous donner la parole pour que vous puissiez les poser directement à Maryse. Merci, Sandra. Sandra, c'était clair. Alors, de toute façon, Gwendoline a une question. Alors, bah écoutez, ça dépend de votre effectif, Gwendoline. Ça dépend de votre effectif. Il y a un superbe tableau que le gouvernement que le législateur a mis en place en accord avec les organisations syndicales. Ça dépend de votre effectif. Voilà. Donc ça, je ne peux pas vous. Si vous me donnez votre effectif, je peux éventuellement vous donner quelque chose. Alors, pour ceux qui doivent déjà partir, de toute façon, je vous enverrai le support de Maryse. Et ce webinaire ayant été enregistré, je vous enverrai également le lien pour que vous puissiez le revoir ou le partager. Je voudrais répondre à Sophie qui me dit nous avons actuellement 2 CE et 1 CCE. Ben oui, vous allez devoir, si vous avez 2 établissements, donc vous devez prévoir 2 CSE, donc vous allez vous fusionner les DP, les CHSCT et le CE de chaque établissement et un CCE central, un CSE central, oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a aussi une personne qui, Emmanuel, je crois qui a dit tout à l'heure qu'elle avait des élections organisées pour juin. Ça va être très court là pour juin, compte tenu des 90 jours. Je ne sais pas à quelle date au mois de juin, mais là, vous pensez bien que vous devez maintenant organiser 90 jours, ce n'est pas 45 jours. Donc là, je ne sais pas si vous allez pouvoir le faire pour avril, mai, juin. Il faudrait que ce soit fin juin, début juillet. Hein. Vite, vite, vite. De toute façon, Emmanuel, si vous avez besoin d'en reparler, n'hésitez pas à nous rappeler. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non, pas pour l'instant. Bah, écoute, Maryse, merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Si par après vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Ah, Oui. Emmanuel. Hein? Ah, pardon. Alors, mon syndicat patronal m'indique que je peux réduire. Ah bon? Ben, il faudrait que votre syndicat patronal lise l'ordonnance. Ben non. Alors là, Emmanuel, je crois que Maryse n'est pas d'accord. D'accord, c'est bon. Reposez-lui la question et demandez-lui de lire l'ordonnance. Faites attention à ce qu'on vous dit quand même. Sinon, vous allez être prise en défaut et là, on ne va pas vous louper. Enfin, pas moi, mais les organisations syndicales. Deux salariés. Alors attention, là, il y a peut-être danger, Emmanuel. Et vous pouvez m'appeler si vous voulez, je vous expliquerai. Il y a encore une question de Mohamed. Alors, quels sont les OS pouvant signer le PAP? Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, ce sont toutes les organisations syndicales qui sont reconnues au niveau national. Ce sont aussi des syndicats affiliés à ces grands syndicats. Ce sont les syndicats représentatifs dans votre entreprise. Alors, il faut savoir que globalement, moi, je conseille d'envoyer les invitations à tous les syndicats représentatifs au niveau national. Ils sont au nombre de 7. Maintenant, si vous avez des syndicats affiliés dans votre entreprise, il faut aussi envoyer les invitations à ces gens-là. Cela répond-il à votre question, Mohamed? OK, merci. Je veux bien vous appeler. Ah, Emmanuel, bah écoutez, quand vous voulez, envoyez, je pense que vous pouvez déjà m'envoyer un mail et je vous donnerai mon numéro de téléphone à ce moment-là. Je m'en occupe, je vous transfère tout ça. Et puis, vous m'appelez, alors pas aujourd'hui parce que là, je pars en mission dans une entreprise, donc je ne serai pas là de la journée, mais demain, vous pouvez m'appeler sans problème. Exemple, il n'y a pas d'OS prioritaire pour la signature. Non, non, il n'y a pas de, non, non, il n'y a pas de priorité. Les organisations syndicales sont traitées à même, je dirais, au même niveau. Et il ne faut surtout pas oublier les invités, tous. Ça vous évite des problèmes. Sinon, si jamais vous n'en avez, il y en a un que vous n'invitez pas, qui vient savoir qu'il y a des élections, vous pouvez tout à fait finir au tribunal. Donc, c'est bête. Ça coûte juste un recommandé, quoi. Donc, voilà. Et ensuite, vous me dites exemple, qu'est-ce que vous. Les OSR. Les OSR, les organisations syndicales représentatives, c'est ça? Ben, vous avez la CGT, vous avez la CFDT, la CFTC, la CFECGC, FO. Ça, ce sont les organisations représentatives au niveau national. Ensuite, vous avez l'UNSA et Sud qui ne sont pas représentatifs puisqu'ils n'ont pas eu leur quota de représentativité, mais ils peuvent être représentatifs dans l'entreprise. Moi, je les invite quand même. Je les invite quand même. On ne sait jamais. Ils peuvent être représentatifs en région. Invitez-les quand même. Ça fait 7 recommandés. Au moins, vous êtes tranquille. Mais il n'y a pas de différence entre eux pour la signature. Ah non. Voilà, c'est surtout la question de Mohamed, je pense. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non. Ben écoutez, merci à tous. N'hésitez pas à poser vos questions par après s'il y en a. Merci beaucoup à Maryse également. Merci.
pas de Et problème. puis, bah, écoutez, nous vous tenons informés des prochains webinaires qui seront organisés. Le prochain, c'est lundi, c'est sur l'alternance. Si jamais cela peut intéresser quelqu'un, bah, revenez vers moi. Et puis, bah, sinon, bah, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt.